Salut tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez avoir le droit à 9 histoires inédites et effrayantes qui vous ont été préparées par 9 conteurs que je suis sûre que vous allez aimer découvrir ou redécouvrir. Ils ont chacun leur propre style et vont vous les présenter à travers leur propre montage. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Je souhaite aussi vous remercier d'avoir été présents pour ces 5 jours non-stop de Creepypasta et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée, pour voir si quelque chose d'approchant a pu être vécu par l'un d'entre vous. Si c'est le cas, vous comprendrez facilement combien j'ai besoin d'aide. L'angoisse et la terreur m'empêchent de dormir depuis déjà plusieurs jours, et je suis prise de tremblements incontrôlables rien qu'à y penser, comme une énorme épée de Damoclès au-dessus de ma tête. La semaine dernière, mon grand-père a appelé ma mère. Il voulait me voir, et il avait besoin de mon aide pour la corvée de bois. Selon elle, sa voix semblait angoissée, et qui plus est, la ligne sonnait occupée quand on essayait de le rappeler. Elle m'a donc obligée à y aller. J'avais aussi pour mission de résoudre ses soucis de téléphone. Une personne âgée vivant seule sans moyen de prévenir les secours en cas de besoin, il fallait corriger le problème assez vite. Qui plus est, mon grand-père avait eu quelques antécédents médicaux à la suite de la mort de ma grand-mère. Il fallait veiller sur lui. Je me suis donc mis en route vers la campagne. Je ne dirais pas qu'il vit seul à l'écart de tout, mais le village dans lequel il réside n'a pas beaucoup d'habitants. Et sa population est plutôt étalée. Du coup, pas de voisins directs à moins d'un petit kilomètre. Qui plus est, depuis la mort de ma grand-mère, mon papy vivait complètement seul. À mon arrivée, j'ai tout de suite senti une sorte de malaise. Mon grand-père, solide et robuste, courbé par une vie d'effort, n'arrivait pas à m'en regarder, comme dérangé par ma présence. Cette impression a fini par s'estomper au fil de la journée. La corvée de bois, découpée, transportée et rangée ses bûches, ne laissait pas trop le temps de réfléchir. Mais le soir, après un repas dans cette même atmosphère tendue, j'ai fini par craquer sous l'angoisse. Avec tout le tact dont je suis capable, j'ai commencé par le téléphone, en lui demandant pourquoi il était débranché, le fil pendant de l'autre côté du meuble. J'ai ajouté que maman était inquiète pour lui. À ce moment-là, il y a eu un grand silence. Puis comme un déclic, et avec un soupir, il a fini par céder et me raconter une histoire. Il y a 6 ans, avant le décès de ma grand-mère, il aurait reçu un appel sur ce même téléphone. Une voix désincarnée lui apprenait la mort de sa femme d'une crise cardiaque foudroyante sur son lieu de travail. Cette même voix lui donnait ensuite une date et une heure. L'appel s'était reproduit ainsi plusieurs fois dans la soirée, jusqu'à ce que mon grand-père, terrifié, préfère débrancher le téléphone. Saisi au cœur, il avait alors pris la route comme une furie jusqu'à la clinique du coin, pour qu'on lui réponde à l'accueil qu'aucun décès n'avait été enregistré aujourd'hui, ni aucune entrée de patient correspondant. Passablement énervé de ce qu'il prit finalement pour un canular, il est alors rentré chez lui pour que quelques heures après, sa femme le rejoigne en pleine forme. Il lui avait expliqué son aventure et sa frayeur viscérale qui alourdissait ses pensées. Et elle l'avait rassuré assez simplement, aussi interloqué que lui par cette mauvaise blague. Mais sans plus d'explications, ils avaient rapidement laissé tomber, leur opérateur téléphonique leur proposant simplement de changer leur ligne. Le monde continuait à tourner, et qui plus est, le canular ne s'était plus reproduit depuis. 3 ans plus tard, alors que cette histoire lui était sortie de la tête, il a reçu le même coup de fil. Selon lui, et il l'a bien appuyé en me le racontant, il s'agissait d'un coup de fil exactement similaire, au mot près. En arrivant à l'hôpital ce soir-là, ce n'était plus une blague. Son épouse, ma grand-mère, était morte. Depuis, il n'avait plus pu entendre ce téléphone sonner sans ressentir un profond malaise avant de décrocher. Il avait relancé ses recherches, s'était renseigné auprès de plusieurs de ses amis plus connaisseurs que lui en matière de téléphonie. Mais impossible de remonter l'appel, de découvrir qui avait appelé. Pire,
dans le journal des communications qu'il avait demandé à son fournisseur téléphonique, pas le moindre appel de relevé sur la journée du décès, comme si ce coup de fil n'avait jamais existé. Alors évidemment, on l'avait cru fou. Il s'était lui-même remis en question sur sa santé mentale, allant même jusqu'à se faire hospitaliser quelques jours. On en arrive au point central de mon témoignage. J'ai regardé mon grand-père, alors qu'il poursuivait, mes yeux ne pouvant quitter le fil du téléphone, débranché. Et alors qu'il se mettait à pleurer, racontant l'appel qu'il avait reçu la veille, l'appareil a sonné. Alors, maintenant que ma panique est passée, maintenant que j'ai rédigé toutes ces lettres, que j'ai ordonné les choses, et que j'arrive enfin à accepter les choses telles qu'elles doivent être, dites-moi, si tout ça est vrai, avec 3 ans à vivre, que feriez-vous ? Laisse-la sur le bord de l'assiette. Je suis un démon. Du moins, je représente tout ce qu'on a dit d'eux au fil des âges. Comment ça? Vous ne me croyez pas? Est-ce ma voix qui ne vous paraît pas assez convaincante? Vous vous attendiez peut-être à une voix rauque, excessivement grave ou d'outre-tombe. Et probablement à une apparence impressionnante, voire terrifiante. Une créature rouge et cornue comme on me représente dans les légendes, ou encore un grand homme fort et barbu. Bien loin de ce à quoi je ressemble actuellement, en tout cas. Oui, si vous me voyez passer dans la rue, vous ne verriez rien d'autre qu'un adolescent chétif, aux cheveux en bataille, l'air constamment perdu, et n'ayant d'impressionnant que la multitude de boutons qui recouvraient son visage, il y a encore quelques mois. Vous me trouveriez amical cependant, et pas des plus repoussants malgré tout, je dois l'avouer. C'est vrai, ce ne sont pas mes grands yeux verts et mes dents d'un blanc parfait qui vous répugneraient, mais savez-vous que tout ceci n'est qu'une façade? Un déguisement. Je suis bien plus beau en réalité. Je m'explique. Je n'ai pas toujours ressemblé à ça. D'ailleurs, je change régulièrement d'apparence. Avant de vous expliquer comment je m'y prends, je vais d'abord vous dire pourquoi mon physique varie aussi souvent. Avant, j'étais un ange. Comme tous les autres de mon espèce, je veillais sur les êtres vivants. Jusque-là, je ne vous apprends peut-être rien. Mais, saviez-vous que votre espèce, les humains, ne fait pas partie de la liste de celles que nous protégions? Oui, en tant qu'être de lumière, notre devoir était de veiller sur toutes les créatures de la Terre, exception faite des hommes. Nous ne savions pas réellement pourquoi au début. Et nous supposions que le patron regrettait peut-être la création de créatures bipèdes, aussi banales que vous. Mais à mesure que le temps passait, nous nous sommes rendus compte que c'est votre intelligence qui vous différencie réellement des autres. En effet, le patron vous a conçu de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de notre protection pour survivre dans la nature. Mais un jour, alors que j'observais l'émergence de vos premières civilisations, quelque chose a attiré mon attention. Vous étiez terriblement désorganisé et violent. J'ai alors sérieusement commencé à me demander si votre espèce allait prospérer. Vous étiez si peu nombreux au départ, et vous commenciez déjà à vous haïr, à vous entretuer. Et à ce rythme-là, je craignais votre extinction dans le siècle qui suivait votre apparition sur Terre. Cela n'avait pas l'air d'inquiéter le patron, et encore moins les autres. Alors avec l'autorisation d'un archange, qui m'a fait promettre de ne pas interférer sur la balance de l'existence, je me suis immiscé parmi vous. Durant des siècles, j'ai aidé les dirigeants de nombreuses de vos civilisations, ainsi que beaucoup de vos savants. C'est d'ailleurs à moi que vous devez bon nombre de vos avancées technologiques. Les anges me reprochaient très souvent d'avoir désobéi à la règle de l'archange, me menaçant même d'une convocation chez le patron en personne. Seulement, j'ai toujours réussi à m'en tirer grâce à mon incroyable bagou, à ma brillante éloquence et à mon puissant pouvoir de conviction. Bien évidemment, il était hors de question pour moi de me présenter à vous sous mon apparence angélique. J'étais parfois apparu à des animaux. Mais vous,
Je ne vous jugeais pas assez près pour faire le constat de mon incroyable beauté. C'est là que je vais vous expliquer ce qu'a rendu possible mes métamorphoses. Je n'ai possibilité de prendre l'apparence que d'une personne décédée. Je ne saurais vraiment dire pourquoi. Lorsqu'un humain rendait son dernier souffle, je pouvais donc apparaître sous ses traits. Seulement, il subsistait quelques différences qui faisaient de mon apparence humaine une enveloppe imparfaite. En effet, on pouvait de temps à autre constater des excroissances dans mon dos, signe de la pousse prochaine de mes ailes, ou encore, voir apparaître d'un jour à l'autre quelques mèches dorées de ma véritable chevelure. Et chaque fois, plus le temps passait, plus mon costume disparaissait pour révéler ma véritable apparence. Je devais alors me cacher le temps de retrouver une nouvelle forme, sous laquelle apparaître. J'ai longtemps cherché à comprendre ce qui faisait que ma transformation n'était pas complète. Mais lors de mes recherches et observations, je suis tombé amoureux. Elle était d'une beauté sans pareille. Ses cheveux blonds et son teint de porcelaine étaient radieux. Et ses yeux noisettes si purs, m'ont tout de suite fait tomber sous le charme. Oui, j'étais fou amoureux. Alors sous la forme d'un charmant jeune homme, je suis venu jusqu'à elle et lui ai déclaré mes sentiments. Mais elle ne les partageait pas. Un soir, depuis les cieux, alors que je tentais désespérément de me remettre de mon premier chagrin amoureux, je la vis, accompagnée d'un homme. Un homme si simple. Il n'avait rien de particulier. Il n'était ni beau, ni laid. Mais son excessive simplicité a eu le don de me faire entrer dans une colère noire. Si au moins il avait été spécial, qu'avait-il de plus que moi et ce costume que j'avais soigneusement sélectionné? Et elle, n'avait-elle aucune reconnaissance pour ce que j'avais fait pour les siens? Fou de rage, je suis descendu sur terre, et j'ai mis fin à l'existence de ce couple naissant. Par là, j'entends les avoir sauvagement massacrés tous les deux. Oui, j'ai également tué mon aimé. Mais c'était pour le mieux. Je ne regrette ni mon acte, ni la façon de laquelle j'ai mis fin à leur jour. Dès lors, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Je riais aux éclats. J'étais envahi par un merveilleux sentiment de plénitude. J'avais enfin trouvé ma voie. Moi qui voulais ressembler aux hommes, je me sentais plus humain que jamais. Et sans même que je m'en rende compte, j'avais pris l'apparence de cette sublime jeune fille, dont le nom m'échappe encore, je l'admets. Cette fois, tout était là. Ses charmants cheveux blonds, son teint de porcelaine, et ses magnifiques yeux noisettes. Et alors que je me réjouissais de ce délectable moment, j'entendis la voix du patron résonner dans ma tête. Immédiatement, j'ai abandonné ce costume de jeune fille pour reprendre ma véritable forme. N'as-tu pas honte de ce que tu es devenu? Chef? Tu as transgressé toutes nos règles. Et pire encore, tu es devenu tout ce que tu reprochais aux humains. Tu es un assassin. Est-ce que vous allez me punir? Que considérais-tu comme une punition aujourd'hui? Tu as complètement perdu la tête. Je te bannis des cieux et te change en ce que tu es vraiment. Un véritable monstre. Dès lors, je sentis mon physique changer. Je courus jusqu'à la rivière la plus proche pour regarder mon reflet dans l'eau. Et ce que je vis me coupa littéralement le souffle. Le patron. Le patron m'avait rendu encore plus beau. Et les yeux emplis de larmes. De bonheur. Je souris et le remercia le plus sincèrement possible. Merci, patron. Oh, mille merci. Depuis, je vis avec vous sur Terre. Depuis mon premier meurtre, je n'ai fait que renouveler l'expérience. Celui de cet adolescent, en l'occurrence, en fut immémorable. Comme je vous l'ai dit, son apparence n'était pas des plus désagréables à regarder, certes, mais son physique est si peu spécial. Vous l'auriez entendu crier à la mort, me suppliant de le laisser partir, non, avant que je lui rompe la nuque. Sa nuque si frêle. C'est drôle quand j'y pense. En autant d'années d'expérience, je n'ai jamais fait la connaissance d'un humain qui a tenté de m'échapper. Ou du moins, de rester digne. Bien évidemment, je suis loin d'être aussi expérimenté que nombre d'entre vous, de qui on me tient souvent responsable des actes d'ailleurs. En fait, j'ai tout à apprendre de vous. Aujourd'hui, c'est au tour de cette magnifique jeune fille au teint mat et aux cheveux bouclés qui a su de nouveau faire battre mon cœur.
sous ma nouvelle apparence angélique. Je n'ai visiblement pas su lui plaire. Peut-être était-ce à cause de mes ailes, de ma chevelure dorée, ou de mes 5 rangées de dents, et de ma langue fourchue. Ou du fait que je me sois présenté à elle en pleine nuit, je ne saurais dire. D'après vos descriptions, je ne suis pas un ange. J'ai tout d'un démon, c'est le terme. Mais fichtre, les démons sont si beaux. Et quelle ne fut pas ma rage, lorsque je l'ai trouvé en compagnie de cet adolescent d'une banalité monstre. J'ai alors pris son apparence, et me suis mis l'idée en tête de continuer de faire ce qu'il avait commencé à entreprendre. La charmer, c'est chose faite. Maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Pitié, laisse-moi partir, je t'en supplie. Oh non, s'il te plaît. Ne rends pas les choses plus difficiles, ma jolie. Sur ces mots, je remets le baillon dans sa bouche et lui tranche amoureusement la gorge. Elle est si radieuse maintenant, encore plus que lorsqu'elle était vivante. Et alors que je passe la main dans ma nouvelle magnifique chevelure bouclée, je pense à ma prochaine victime. Finalement, j'arrêterai peut-être un jour de tuer. Mais ça, ça n'arrivera que le jour où je trouverai quelqu'un qui saura réellement égaler ma beauté. Ou alors, m'aimer pour mon incroyable spécialité. Je suis une grande athlète et je parcours régulièrement. J'habite en campagne. Je suis dans une zone relativement calme. Du coup, j'en profite pour faire quelques kilomètres en direction de la forêt. Cette forêt me rappelle bien des souvenirs. Un peu flou, j'avoue. Mais avec ma famille, on s'y promenait régulièrement pour promener le chien. C'était une activité très amusante, quoique le chien paraissait très souvent énervé. On y cueillait des fleurs, des champignons, bref, ce ne sont pas les détails les plus importants de l'histoire. J'avais 10 années quand on faisait encore ça. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 20 ans. Mais je me rends seule dans cette forêt. Histoire de brûler quelques calories et de me faire du bien. Il faut savoir que j'ai énormément de soucis au niveau des jambes. Mais je n'ai aucun souvenir de pourquoi ces douleurs sont intenses. Du coup, je cours régulièrement pour les atténuer. J'essaie entre autres de combattre le mal par le mal. Je fais tout pour, en tout cas. Je cours souvent le soir, histoire d'être tranquille et de croiser peu de monde sur la route. Mais malgré tout, je me sens pas mal observée. C'est assez étrange comme sensation. Mais depuis ça, même quand je cours en plein après-midi, pour être un peu plus détendue sur le sujet, je me sens de nouveau observée. Il est fort probable que l'imagination me joue pas mal de tours. Puis, je suis dans un endroit qui grouille de vie quand on y repense. Entre les écureuils, les lapins, et j'en passe. Puis surtout, ces satanés chasseurs qui y rôdent. Je me sens aussi oppressée que les animaux eux-mêmes, en prenant du recul. Mais je cours quand même, car j'ai beaucoup de convictions. Une fois lancé, il est difficile de m'arrêter. Mais un jour, j'ai dû arrêter ma course. Premièrement, car mes douleurs aux jambes avaient empiré.
comme si on m'avait tiré dans les jambes. Je me sentais comme un animal piégé. Peu de temps après, des coups de fusil ont retenti. J'ai tenté de me cacher par peur d'être prise pour un animal. Mais je devais absolument rentrer. Le bruit venait du chemin que je prenais. Et je n'avais trouvé aucune autre issue. Sur le chemin, j'ai croisé un corps, au sol. Ou du moins, ça y ressemblait. J'étais assez proche du corps en question. Et j'ai pu constater qu'il s'agissait en réalité d'un chasseur, grâce à son uniforme. Mais il ne respirait plus. Et il semblait désarmé. J'ai tenté aussi bien que mal de prendre mes jambes à mon cou, par peur qu'il m'arrive la même chose. J'étais presque arrivée au pas de ma porte, quand j'ai vu à ce moment-là une créature gigantesque, un genre de mélange entre un loup et un homme, vraiment musclé, une créature extrêmement flippante. J'en croyais pas mes yeux. J'en perdais vraiment mes mots à ce moment-là, c'est-à-dire que cette créature me regardait dans le blanc des yeux, avec aucune émotion. Elle semblait juste avoir envie de se venger. Peut-être bien qu'elle avait quelque chose contre les chasseurs. Ça me paraissait logique, si en tout cas cette créature était mi-loup, mi-homme. Peut-être qu'elle ne détestait pas à 100% les hommes et que j'avais peut-être une chance de m'en sortir. Mais elle restait à moitié loup quand même. Donc, il y avait 50% de chance que je fasse partie de sa liste noire. Et en y repensant, cette créature tenait dans ce qu'il semblait du coup être ses mains, un fusil. Oui, un fusil. Probablement celui que le chasseur avait avant d'avoir été tué. Et vous savez quoi? J'étais dans son viseur. Il n'y a pas si longtemps, j'ai remarqué un bruit étrange provenant du climatiseur dans le mur du salon. Au début, c'était presque imperceptible, comparé au bruit typique d'un appareil. Ça a commencé par un léger cliquetis qu'on ne pouvait entendre que quand la machine était allumée. Je l'ai d'abord attribué à l'âge de l'appartement et à celui de son électroménager. Dans l'ensemble, les appareils n'étaient pas si vieux, mais sans un entretien régulier, les choses peuvent se casser rapidement. Tout dans cette habitation faisait du bruit. La machine à laver qui tremblait, le lave-vaisselle qui faisait penser à un jet en train de décoller, et le frigidaire qui claquait toutes les minutes, et qui produisait un bourdonnement si puissant que je devais augmenter le volume de la télévision pour pouvoir écouter mon émission. Vous vous doutez donc que ça ne me paraissait pas bien grave si l'air conditionné cliquetait un peu de temps en temps. J'avais fini par me convaincre que c'était dû à l'âge de l'appareil. C'était avant qu'il se mette à faire ce bruit de plus en plus souvent. Je l'ai remarqué pour la première fois le jour où je l'ai allumé et que le bruit ne s'est pas arrêté après quelques secondes comme s'il en avait l'habitude. Je me suis dit qu'il fallait mieux prévenir le propriétaire pour que la maintenance vienne résoudre le problème. Après environ une minute, le bruit ne s'est pas fait entendre et cette pensée a sombré dans mon esprit. Une semaine était passée quand j'ai remarqué d'autres événements étranges. Des grattements dans les murs, l'électricité qui s'éteignait et qui se rallumait, parfois un claquement sourd pendant la nuit. Encore une fois, des choses qui pouvaient arriver à cause de l'âge de l'installation. Peut-être une souris qui était rentrée dans le mur, ou bien un voisin bruyant qui venait d'emménager. Je me disais qu'on pouvait trouver une explication à tout. À côté de ça, je travaillais beaucoup,
et je n'avais pas énormément de temps libre à dépenser, donc ça ne me perturbait pas. Mais quand des objets se sont mis à disparaître de mon petit appartement qui faisait la taille d'une chambre, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Je n'avais pas passé de temps chez moi pendant ce qui m'avait semblé être quelques semaines. Après le travail et les amis, je ne rentrais que pour me laver et dormir, et il m'est venu l'idée que je devrais essayer de faire une inspection approfondie des lieux, et trouver où mes affaires avaient disparu. J'ai remarqué que plusieurs objets avaient été déplacés, la télécommande de la télévision, une calculatrice, plusieurs paires de chaussettes et de chaussures. Je me suis alors mis au travail, pièce par pièce. Il n'y en avait que 4 à vrai dire. J'ai fouillé de fond en comble pour retrouver mes affaires, et j'ai remarqué de plus en plus d'objets manquants. Tout en me demandant où ces objets avaient pu atterrir. J'ai allumé la télé et je me suis assis dans le canapé. Et j'ai remarqué quelque chose, la télévision n'était pas allumée. J'ai essayé d'allumer ma lampe, mais rien ne s'est passé. Et franchement, ça m'avait un peu saoulé. Je me suis levé et j'ai tourné la molette de ma stéréo. Rien. J'ai tenté tous les appareils pour voir si l'un d'entre eux marchait. Sauf que non, aucun n'était en état de marche. À part étrangement l'air conditionné, qui faisait de plus en plus de bruit. Un puissant cliquetis qui s'est fait entendre pendant quelques minutes avant que ça s'atténue. J'ai entendu un claquement sec et l'appareil s'est arrêté de fonctionner à son tour. J'ai pensé, sans être totalement convaincu, qu'il y avait une coupure de courant et que l'électricité reviendrait le lendemain. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. Les voisins faisaient un boucan exceptionnel et la coupure de courant m'avait rendu nerveux. Je me suis réveillé pour me rendre compte que le courant n'était toujours pas revenu. J'ai pris une douche et me suis habillé. Et je me suis rendu à la porte de mes voisins pour leur demander s'il y avait eu des problèmes similaires. J'ai frappé plusieurs fois sans obtenir de réponse. J'ai décidé que ça en était trop. Et j'ai été au bureau de maintenance pour me plaindre de tous ces problèmes. Et avec un peu de chance, les résoudre. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur viciée de renfermé m'a sauté aux narines. L'endroit était en désordre. Le bureau était couvert de paperasse et de cendres de cigarettes, la peinture au mur était écaillée, il y avait des taches dégueulasses sur les vitres, et la télévision fixée sur un mur ne diffusait que de la neige. Derrière le bureau, il était assis un homme, mince, grisonnant, qui avait l'air de ne pas s'être lavé depuis des semaines, et je lui ai expliqué que tous mes appareils avaient soudainement arrêté de fonctionner, et il m'a jeté un regard sarcastique avant d'attraper brusquement sa boîte à outils, et de me suivre jusqu'à mon appartement. Je lui ai dit que je l'aurais appelé si le téléphone avait fonctionné. Et je lui ai aussi expliqué que je ne pensais pas que ce soit dû à une panne d'électricité, car la climatisation avait fonctionné peu avant de s'éteindre. Et il m'a proposé d'aller jeter un coup d'œil, avant de se rendre devant l'unité. Il a dévissé la coque et a regardé dedans. Il a allumé la lampe torche et s'est mis à fouiller les entrailles et à dévisser différents composants avant de s'interrompre. Et de sortir de l'appareil un petit objet accroché sur un fil, qui ne semblait pas provenir de la machine. Il m'a regardé avec un sourcil froncé et il m'a demandé si ça m'appartenait. Je ne savais même pas ce que c'était. Et il m'a expliqué que c'était une petite caméra espionne. Avec un regard sournois, il m'a demandé si j'avais amené des femmes chez moi pour les filmer en secret. Je lui ai dit que je ne faisais pas ce genre de saloperie, et que je commençais à être effrayé par la situation. Il a haussé les épaules et a dit qu'il allait voir où le fil le menait. Il l'a suivi avec ses mains et a arrêté pour regarder l'intérieur de la cavité. Il a trouvé un petit trou dans le mur, et il a sorti un marteau et s'est mis à travailler, en enlevant des morceaux du mur et en suivant le câble. J'étais vraiment tétanisé. Qui a mis ça là? Ce vieux type crade me regardait. Est-ce qu'il y a d'autres machins comme ça chez moi? Toutes ces questions me taraudaient l'esprit tandis que je le regardais travailler. Il a marmonné quelque chose entre ses dents. Impatient, je lui ai demandé ce qu'il avait trouvé. Quelqu'un avait apparemment raccordé tous mes branchements. Et il s'est reculé pour me laisser voir ce dont il parlait. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un aurait voulu faire ça. Il m'a répondu qu'il supposait que c'était quelqu'un qui voulait voler mon électricité. Et il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose. Et je dois admettre que son ton calme et blasé commençait vraiment à m'agacer. Et j'ai repensé au bruit étrange que j'entendais dans mes murs, les grattements, les lumières qui s'éteignaient sans prévenir. Ce qui me semblait autrefois anodin me faisait vraiment flipper là. Je lui ai dit que j'avais remarqué quelques petites choses, ça et là, mais que je n'avais pas été très présent ces derniers temps. Il m'a regardé comme si je débarquais de la planète Mars, puis il s'est remis à suivre le fil dont le réseau ne cessait de s'étendre. Certains fils nous menaient à d'autres caméras miniatures, cachées derrière les conduits d'aération et dans des coins d'ombre. L'un d'entre eux avait même son objectif dissimulé dans l'œil d'un portrait. Il me demandait comment il se faisait que je ne les avais pas remarqués avant. Mon cœur battait de plus en plus vite à mesure qu'il trouvait de nouvelles caméras, et il a continué de les débusquer une par une. Et il est apparu que tous ces appareils électroménagers avaient été reliés avec un câble commun qui menait à ma chambre. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je lui ai demandé depuis quand c'était là, et il m'a répondu que ça ne devait pas être là depuis très longtemps, car il vérifiait toutes les installations d'un appartement avant de les louer. Et il a continué de creuser le mur avec son marteau, en suivant les câbles qui me remplissaient d'appréhension. Jusqu'à s'arrêter devant le dernier trou qu'il avait ouvert pour regarder dedans avec sa lampe torche. D'après lui, les deux murs étaient séparés par un espace assez large, et il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur. Il a creusé une ouverture, assez grosse pour pouvoir y entrer, et il a disparu dans le mur de ma chambre. Et il est ressorti quelques secondes plus tard avec une expression sinistre sur le visage. Son teint était devenu pâle. Il ne ressemblait plus à l'homme calme et sans peur que j'avais rencontré il y a quelques minutes. Et il m'a prévenu que ce qu'il allait m'annoncer n'allait pas me plaire. C'était une pièce cachée, pleine d'écrans, et d'autres appareils.
Il semblait que quelqu'un vivait dedans. Il a dégluti et m'a conseillé de déménager. Ce que j'ai fait sur le champ. Je n'avais vraiment pas envie de passer une seule seconde de plus dans cet appartement. Pendant les jours qui ont suivi, la police a inspecté les lieux. Et ils ont trouvé une vingtaine d'écrans, tous reliés avec des magnétoscopes installés dans le petit habitacle creusé dans les murs. Étrangement, aucune cassette n'avait été trouvée. Aucune trace non plus de cette chose qui m'avait regardé pendant toutes ces nuits. Quelques semaines se sont écoulées, quand une petite boîte est arrivée sur le palier de la maison de ma mère. Rien n'était indiqué dessus, mais il contenait toutes les affaires qui avaient disparu de mon appartement, et j'y ai trouvé un morceau de papier déchiré et sale avec un message à peine lisible griffonné dessus. Cette nouvelle maison me plaît beaucoup. Depuis peu, je suis victime de paralysie du sommeil. Je peux vous dire que ça fait tout drôle la première fois. Si vous ne savez pas très bien ce que c'est un état qui survient durant la phase du sommeil paradoxal, où l'irréel devient réel. Cette phase ne dure qu'une quinzaine de minutes, et le cerveau est fortement actif à ce moment-là. J'ai eu ma première paralysie du sommeil il y a environ 2 mois, je dirais. Je dormais profondément et puis... j'ai entendu le plancher craquer dans le couloir. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Et je me suis mise à avoir très peur. Tellement peur que mon corps s'était pétrifié. Mes membres s'étaient raidis. Mes oreilles s'étaient mises à siffler. Et puis, j'ai commencé à entendre des chuchotements. Parfois accompagnés de grognements. Je ne pouvais que fixer la porte de ma chambre qui me faisait face, impuissante. Elle s'était ouverte lentement sur le couloir assombri par la nuit. Et je voyais au loin une espèce de forme vaporeuse et squelettique, dont les bras étaient croisés sur ses épaules. Elle lévitait vers moi avec une lenteur terrifiante. Les chuchotements s'intensifiaient. Des ombres passaient devant mes yeux à toute vitesse. Pendant ce temps, cette chose se rapprochait. Elle était arrivée au milieu du couloir lorsque j'étais parvenue à ouvrir les yeux et à reprendre conscience. Les fourmis dans mes mains s'étaient estompées, et j'étais parvenue à faire bouger mes membres raidis par la paralysie. Sans attendre, je m'étais tournée vers la lampe de chevet afin de l'allumer, terrifiée par ce que je venais de vivre. Et lorsque je me suis retournée vers la porte, celle-ci était pourtant bien fermée. Je venais de faire ma toute première paralysie du sommeil. Bien sûr, je suis allée consulter dans l'espoir que le médecin puisse m'aider, afin que je ne revive plus jamais une telle expérience. Mais il m'a expliqué que pour traiter ces paralysies, il fallait agir sur les facteurs favorisants, comme le stress, le surmenage, le manque de sommeil, bien que je ne me sentais pas particulièrement victime de tout ça. Je n'avais plus qu'à oublier, et à faire comme si de rien n'était. Et ça a fonctionné, durant une quinzaine de jours. Et puis ça a recommencé. Alors que je dormais, j'ai entendu ma porte grincer, et je me suis de nouveau pétrifiée. Les fourmis m'ont envahie jusqu'au bout des doigts, et encore une fois, j'avais vu sur le couloir noir, et ma chambre était envahie par des chuchotements incompréhensibles. Et encore une fois, cette chose squelettique lévitait lentement vers moi, les bras croisés sur les épaules. J'étais impuissante et morte de trouille. J'avais peur que l'entité se mette à accélérer d'un coup. Mais elle gardait cette lenteur effrayante. Contrairement à la dernière fois, elle était parvenue jusqu'au pas de la porte. Et je pouvais clairement mieux distinguer cette forme qui regardait droit devant elle. Ce n'était pas vraiment un squelette, mais disons plutôt un cadavre amaigri par la mort, entouré d'un léger halo de fumée. Il avait à peine quelques cheveux sur son crâne mou et putréfié. Il tourna très lentement la tête vers moi, faisant craquer ses cervicales raidies. Et c'est à ce moment-là que je repris une nouvelle fois conscience. Et depuis ce temps-là, j'avais de plus en plus de mal à m'endormir. Je n'osais plus. J'avais trop peur de revoir cette chose au pied de mon lit cette fois. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines qu'il ne s'est rien passé. Je commence à me sentir beaucoup mieux, plus confiante. Je retrouve le sommeil sans problème.
Alors que mes paupières restent lourdement fermées par la fatigue, j'entends quelqu'un frapper à la porte de ma chambre. Mes yeux s'ouvrent brusquement, et encore une fois, je me tétanise, laissant les picotements envahir mes membres. Les chuchotements reviennent, plus menaçants que jamais, et la porte s'ouvre sur le cadavre lévitant d'ores et déjà à l'entrée de ma chambre. Toujours ses bras fins et recouverts d'une peau grisâtre et tombante, croisée sur ses épaules. Encore une fois, il lévite très lentement jusqu'à moi. Il ne s'est jamais autant rapproché jusqu'à présent. Il est bel et bien dans ma chambre cette fois. Ce qui est dingue, c'est que j'arrive même à sentir l'odeur de putréfaction insoutenable. Il tourne la tête avec lenteur, faisant de nouveau craquer ses cervicales. Et bien que ce soit impossible, car cette chose ne possède plus de muscles faciaux, je suis persuadée de la voir sourire. Et puis, elle a disparu, d'un seul coup. Et pourtant, je reste dans mon état second. Je ne parviens pas à reprendre connaissance. Normalement, à ce stade de la paralysie, je parviens à retrouver mes moyens. Mais mon souffle se coupe, alors que je sens une présence derrière moi, puis un souffle froid dans la nuque. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et c'est un tort, un très grand tort. Non, plus sérieusement, je tenais à remercier Mademoiselle Macripsta pour cette chance qu'elle nous donne. C'est vraiment adorable de sa part. Bon, maintenant c'est à moi de montrer ce que je sais faire. Et j'espère que cela vous plaira. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous connaissez la malédiction du Nexus? C'est une histoire vieille comme Internet. Mais il semblerait qu'elle ne soit que très peu connue. Moi-même, je ne l'ai découverte qu'en naviguant sur un obscur forum traitant du surnaturel. On pouvait y retrouver un paquet d'histoires qui font peur, comme Slenderman, ou Blue, ou encore le Dévoreur. Mais rien qui ne me soit étranger. Pour quelqu'un à la recherche de frissons comme moi, c'était assez décevant. Surtout que le forum promettait des frissons à chaque page. J'ai tout de même décidé de faire un dernier petit tour avant de le quitter. Je n'ai pas exactement trouvé ce que je cherchais, mais à force de fouilles, j'ai déniché quelques petites perles. J'ai été finalement happé par ce forum et son dédale d'histoires horrifiques. Je me suis donc logiquement créé un compte. Et de fil en aiguille, j'en étais même l'un des plus gros contributeurs. Je connaissais ce site comme ma poche. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a quelque temps, j'ai entendu par l'intermédiaire d'un ancien qu'il existerait une section secrète, et que ceux, en ayant eu l'accès, auraient dû jurer de ne parler du contenu à quiconque. Le lendemain, j'avais accès à un nouvel espace. Les cauchemars vivent parmi nous. Je dois bien reconnaître que le titre de cette zone secrète était des plus prometteurs. J'ai passé des nuits blanches à écumer les sujets, les enquêtes et les interviews de ceux ayant survécu à des attaques d'entités anormales. Le plus fou là-dedans, c'est qu'en recoupant toutes les infos, rien n'avait l'air factice. Et quand j'ai questionné les quelques élus ayant également accès à cette partie du forum, ils étaient tous unanimes. Absolument tout ce que j'ai pu lire était vrai. Pire, il existe un sujet tellement tabou que personne n'est censé pouvoir le lire. Pourtant, il est toujours accessible sur le forum. Quand j'ai demandé pourquoi aucun administrateur ne l'avait supprimé, on m'a simplement répondu parce qu'on ne le peut pas. À ce moment-là, je dois bien avouer que je n'étais plus très sûr de vouloir consulter ce sujet. Mais en même temps, c'était grisant de se dire qu'il existait des choses si étranges juste sous mon nez. Puis, après quelques verres de vin et beaucoup de courage, j'ai cliqué sur le sujet. Il était clos, et pourtant, j'ai tout de suite remarqué qu'on pouvait y écrire. Cela m'a immédiatement rappelé les mots de l'administrateur, qui prétendait qu'on ne pouvait le supprimer. Alors oui, j'ai pensé à une blague qu'on me faisait. Piéger le no-life du forum. Après tout, avec ma réputation de, je cite, « Monsieur, je sais tout », cela ne serait pas si surprenant qu'il m'en veuille, et essaie de me foutre la trouille. Cependant, mes doutes se sont rapidement dissipés quand j'ai vu la date du premier message. Puis, de ceux qui ont suivi. Rien que le dernier date d'il y a 3 ans. Et moi-même, je n'ai découvert ce forum qu'un an plus tard. Changer la date de tous les messages pour un simple membre comme moi,
me paraissait bien excessif. J'ai soufflé un grand coup, et j'ai laissé mon scepticisme derrière moi. Le sujet était constitué d'une liste de 3 règles, puis de 4 petits rapports journaliers d'une femme. Tout d'abord, laissez-moi vous citer les règles à respecter, et ce, quoi qu'il en coûte. Premièrement, vous ne devez sous aucun prétexte manger ou boire pendant toute la durée de la bande audio qui va être diffusée. Deuxièmement, évitez autant que possible de vous regarder dans un miroir ou un reflet quelconque pendant 10 minutes après l'écoute de ce qui va suivre. Si vous n'avez pas pu respecter cette règle, enfermez-vous dans un cercle de sel, et si possible, dans un espace ouvert sur l'extérieur. La troisième règle, je vous la réserve pour la fin. Vous êtes prêts? Je vous lance l'audio. Salut à tous. Tu as réalisé le défi que m'a donné Mathieu. Je dois effectuer le rituel du Nexus. Voilà. Alors, si je réussis, il devrait m'accorder un vœu. Bon, les bougies rouges, ça j'ai. Le miroir, j'ai. Il manque plus que... Aïe. 3 gouttes de mon sang. Oh, toi, grand Nexus. Je te fais cadeau de mon sang en échange de l'amour de Fabien. Il est la seule chose que je désire en ce monde. Le premier enregistrement se finit là-dessus. Voulez-vous continuer? Bon, à vrai dire, je vous le demande plus par courtoisie qu'autre chose. Il est vivement conseillé de poursuivre cette vidéo. Oh waouh, ça a vraiment trop bien marché. Faut que je vous raconte. Je me suis levée, il n'y avait rien d'anormal. Enfin, il y avait juste une lettre sous ma porte. Mais vu qu'on était au début du mois, je me suis dit que c'était soit le loyer, soit une blague. Bref. En tout cas, Fabien a pas arrêté de me regarder. C'est complètement fou. Je crois vraiment qu'on est fait l'un pour l'autre. Gwen, viens ce soir près du grand arbre. J'ai quelque chose à te dire. Signé, Fabien. Vous êtes toujours là? Bien, bien. Il reste encore 2 vidéos. Et disons que les choses vont commencer à se corser pour Gwen. Je ne vous en dis pas plus. Je vous lance la suite. Je sais pas trop quoi dire aujourd'hui. Mais j'ai vu Fabien hier. À vrai dire, c'était très bien au début. Il m'a embrassé tout de suite. J'étais un peu surprise, mais... j'ai aimé ça. Mais ce qu'il a fait après, c'était... non, je préfère pas en parler. Disons qu'il a essayé de faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. De plus, je n'ai pas tout dit. Aujourd'hui aussi, j'ai une lettre glissée sous ma porte. Celle d'hier avait prévu ce qui allait m'arriver. Et celle d'aujourd'hui aussi. Je ne sais pas qui est le malade derrière tout ça. Mais dès demain, j'amène tout à la police. Je préfère vous prévenir que le dernier extrait n'est pas pour tout public. Néanmoins, si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien, vous aurez peut-être une chance de survie. Pardon, j'ai trop parlé. Voici le dernier extrait. La lettre d'aujourd'hui a annoncé ma mort selon ce qui est écrit. Je vais me faire dévorer aujourd'hui par Fabien. Je me suis enfermée chez moi. Il faut que je survive à cette journée et le sort sera annulé. C'est ce qui est dit dans le livre contenant le rituel. Merde. Fabien ? La jeune Gwen a bel et bien été retrouvée en partie mangée par le jeune homme, qui avait, selon ses propres dires, une envie dévorante de la déguster. Il est grand temps pour moi de vous présenter la troisième règle, l'ultime règle. La malédiction du Nexus se transmet comme un virus. Une fois que vous avez pris connaissance de son existence, votre seul moyen de, peut-être, vous en sortir, et de faire écouter l'enregistrement que je viens de vous passer à quelqu'un d'autre. Alors merci et bonne chance. Le jour où j'ai appris que ma femme, Priscilla, était enceinte, a été le plus beau de ma vie. Nous avions longtemps essayé d'en avoir un. Et cet enfant a été celui du miracle. C'est après une semaine de vacances en amoureux que c'est arrivé. Elle avait mis la table avec des chaussons pour bébé à côté de mon assiette, pour me faire comprendre.
Elle m'a regardé avec un immense sourire. Et nous avons sauté dans les bras l'un de l'autre, avec des larmes de joie, et mille merci l'un pour l'autre. Nous avons appris qu'il allait s'agir d'un petit garçon, comme nous le souhaitions. Le débat pour trouver un prénom a été très long, et madame ne se laissait pas faire. Elle me disait en tirant la langue, et en mettant son pouce contre son front, en agitant ses doigts pour me narguer. C'est moi qui porte, donc c'est moi qui aurai le dernier mot. Elle faisait toujours ce geste pour me taquiner, et elle partait souvent en détalant et en éclatant de rire, afin que je lui coure après. C'était notre petit jeu. Ce côté enfantin, dans nos moments de détente, était attendrissant, mais elle savait garder la tête sur les épaules quand il le fallait. J'étais plus que rassuré que ce soit elle, la mère de mes enfants. Son côté artiste m'a toujours épaté. Ses œuvres n'avaient pas de quoi être exposées dans des musées prestigieux, mais elle avait beaucoup de talent, et y mettait toujours tout son cœur. Elle cachait souvent de nombreux détails, qu'on ne remarque qu'en passant la toile de fond en comble du regard. Pour l'occasion, elle a peint une représentation de nous deux, avec notre futur enfant dans ses bras. Elle lui avait mis les mêmes chaussons qu'elle avait posés sur la table, ce fameux jour. Sur mon pull, cette blagueuse avait mis discrètement le logo de l'école du cirque que j'avais fait étant petit. Le plus impressionnant restait qu'avec les formes des éléments du décor, on pouvait lire Léo, car elle avait décidé que ce serait ainsi. Quand je l'ai remarqué, elle a de nouveau fait ce geste pour m'embêter. « Alors comme ça on décide sans moi. Tu veux vraiment pas qu'il s'appelle Sacha ? Allez, pour me faire plaisir. » »« Non, je m'en fous, ce sera Léo. J'ai décidé que ce serait comme ça. » D'accord, va pour Léo. Mais le prochain, c'est moi qui décidera alors. On verra bien. » Nous avons tout préparé du mieux que nous avons pu pour l'arrivée du bébé. Nous avons passé près de 9 mois à penser à tout ce que nous ferions. La façon de l'éduquer, ce qu'on allait lui inculquer comme valeur. Nous étions à peu près d'accord sur énormément de points. Mais nous stressions tellement. Nous avions si peur de mal faire. Est arrivé le jour de sa naissance. Le jour où tout a changé dans ma vie. Le 23 juillet 2019. L'ambulance n'est pas arrivée à temps. Et mon épouse est décédée pendant l'accouchement. J'ai pris mon enfant dans mes bras en pleurant. Et j'ai tout de même choisi de l'appeler Léo. J'ai eu énormément de mal à surmonter cette épreuve tout seul. Je n'avais presque personne pour m'aider. Je n'avais pas d'autre famille. Mais j'ai fait de mon mieux pour m'en occuper. Je me suis débarrassé de beaucoup d'objets qui appartenaient à ma femme, y compris ce tableau nous représentant tous les trois. Ça m'a brisé le cœur. Mais les garder aurait été encore pire. J'ai tout jeté et brûlé, après avoir regardé la peinture une toute dernière fois. Enfin, c'était supposé être la toute dernière fois. Le lendemain, je l'ai aperçu, accroché à l'envers sur la porte de ma chambre. Il y avait un trou à la place de la tête de ma femme. Je n'ai su réprimer mon haut-le-cœur et mon envie de vomir. Je l'ai rageusement jeté à nouveau, et il n'est pas revenu. En revanche, d'autres objets lui appartenant ont commencé à revenir vers moi, toujours dans des positions et des situations improbables. J'avais déjà assez de stress avec Léo pour que ces événements viennent encore me perturber. Je commençais même à me demander si c'était moi qui n'arrivais tout simplement pas à les jeter et qui les reprenais sans m'en rendre compte. Je m'énervais régulièrement contre mes voisins pour des broutilles. Je hurlais à chaque fois de rage et frappais les murs quand je voyais un nouvel objet du passé ressurgir. Ma propre santé mentale m'inquiétait, à tel point que je me demandais si je devais pas laisser sa garde à quelqu'un d'autre. C'est en voyant l'affection que ce petit être me portait au départ que j'ai pu tenir le coup, du moins temporairement. Son évolution d'ailleurs était spectaculaire. Ses réflexes moteurs avançaient à une vitesse phénoménale. Il bougeait la tête, rampait et attrapait les objets bien avant l'âge où il était supposé le faire. Sa croissance physique allait de pair avec son éveil étonnamment rapide. Il avait au moins 3 à 4 mois d'avance dans tous les domaines, ce qui présageait qu'il deviendrait surdoué. Le problème est survenu dans son caractère, très explosif. Ses crises de larmes de colère se faisaient très courantes, à tel point que le voisinage se demandait si je le battais. Tout se mettait décidément en place pour me rendre fou. Lorsqu'il a eu 2 mois, le bébé a commencé à émettre des bruits différents de ceux qu'on entendrait d'habitude.
On aurait dit une personne à la voix grave qui se raclait douloureusement la gorge. Il semblait surpris lui-même à chaque fois, comme si ça lui échappait. Et il pleurait souvent de peur après. Je le rassurais comme je le pouvais, mais il a commencé à me rejeter, en tendant ses mains vers mon visage pour me repousser. C'est d'ailleurs devenu systématique. Il ne montrait plus que très peu d'affection, de moins en moins au fur et à mesure du temps. Cette aversion devenait d'ailleurs progressivement réciproque. J'ai observé qu'il n'avait aucun trait physique de moi. J'ai bien failli à plusieurs reprises céder à l'alcool, donnant raison aux rumeurs qui couraient sur moi, au vu de ce que les voisins entendaient dans ma maison. Mais les événements étranges avec mon enfant ont été à leur apogée pour les 3 mois de Léo. Les apparitions d'objets ont repris de plus belle. Même en les brûlant, ils revenaient toujours. Un jour, un tableau posé contre le sol m'a brûlé la main quand je l'ai attrapé, comme s'il avait gardé la chaleur des flammes en lui. Ce n'était pas n'importe lequel. C'était celui que ma femme avait fait de nous trois. J'ai constaté que sa température n'était pas le seul problème. La date indiquée en bas à droite, que mettait toujours Priscilla lorsqu'elle avait terminé, à côté de sa signature, était passée du 3 janvier 2019 au 23 juillet 2019. De plus, un trou remplaçait ma tête, comme celui de ma femme, la première fois que je l'ai revue. Et le nom de Léo n'était plus le seul qu'on pouvait distinguer. En le prenant avec une pince d'un angle légèrement différent, j'ai pu lire « Je viens le chercher ». Et le sourire de l'enfant, dans les bras de sa mère, était démentiel et empli de mal. 2 pentagrammes rouges brillants étaient incrustés dans ses pupilles. J'ai immédiatement regardé mon fils dans les yeux. Il ressemblait désormais à sa représentation sur l'œuvre d'art. Il y a 2 ans, ma chatte Frimousse a eu une portée de 4 chatons. L'un est mort-né pour une raison que j'ignore. Les 3 autres allaient très bien. Il y avait 2 femelles, poilues et peureuses, et un mâle, Kalinou. Ils ont tous les 3 grandi normalement, jusqu'à l'âge d'environ 3 mois. J'avais cependant remarqué quelque chose d'étrange. De temps à autre, Kalinou se figeait, regardant devant lui, hérissant les poils, et il se mettait à feuler. Je me disais qu'il devait simplement avoir vu une bestiole par terre. Ça lui est arrivé 1 fois. 2 fois. 3 fois. De plus en plus souvent, au fur et à mesure qu'il grandissait. Ses sœurs, elles, ne se comportaient pas comme ça. Elles vivaient normalement leur vie de chat. Voyant que cela devenait répétitif, je me suis inquiété. En effet, il n'y avait strictement rien devant lui. J'ai alors cherché sur internet pour voir si c'était une affection courante, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Un jour, alors qu'il avait encore une de ses crises, Kalinou a mis un coup de patte dans le vide, devant lui. Immédiatement, son petit manège a cessé, et il est resté là, sans bouger, pendant quelques secondes, avant de repartir jouer avec ses sœurs comme si de rien n'était. Dès lors, il n'a plus eu de crise pendant 2 ou 3 semaines. Je m'en réjouissais car je commençais à le croire cinglé. Cependant, toujours depuis cet épisode, sa mère et ses sœurs l'avaient complètement rejeté, et je comprenais pas pourquoi leur comportement avait changé si brutalement. Quelques jours plus tard, alors que j'en avais assez de voir des souris dans mon garage, j'ai décidé d'y faire entrer mes chats. J'avais pris soin de ranger les outils et autres objets dangereux afin qu'ils ne se blessent pas en les faisant tomber. Ne parvenant pas à mettre la main sur les jeunes femelles ou leur mère, je me suis rabattu sur le mâle. Un grand plaisir. Kalinou s'est jeté à l'intérieur et a disparu derrière une caisse. Je me réjouissais d'avance d'être débarrassé des souris. Et je croyais pas si bien dire. En revenant, quelques heures plus tard, j'ai trouvé un nombre conséquent de cadavres de souris, éventrés, décapités sur le sol. Et Kalinou se tenait assis, au milieu, sans avoir l'air de s'y intéresser. Je trouvais bizarre qu'il les laisse là, mais je savais que les chats tuaient parfois les souris en voulant simplement jouer avec. Seulement, ça faisait beaucoup de jouets cassés. Je me suis donc mis à nettoyer. J'ai discuté de cet épisode avec une amie, folle de chats, et elle m'a appris qu'il n'était pas naturel pour un chat de tuer par plaisir. Je ne m'en suis pas beaucoup plus inquiété. Le lendemain, alors que je sortais de chez moi pour me rendre au travail, j'ai aperçu Kalinou un peu plus loin, vers la niche de ma chienne. Comme à mon habitude, j'ai appelé le chaton pour lui donner une caresse avant de partir. Sauf qu'il est resté là, à me regarder fixement sans bouger. En me rapprochant, j'ai entendu qu'il grognait, et cela m'a d'autant plus étonné qu'il en avait habituellement une peur bleue. Là, il se tenait à tout juste 20 centimètres de la niche. Et étrangement, ma chienne restait collée à la cloison du fond. D'habitude,
Elle me faisait la fête dès que j'étais à portée, mais elle n'a pas remué une oreille. J'ai donc continué de m'approcher, et j'ai donné sa caresse au chaton. Seulement, j'étais surpris de sa réaction. En effet, à peine ma main l'avait-elle frôlée qu'il y a mis un coup de griffe, avant de partir en courant à l'autre bout du jardin. Je me dis simplement qu'il devait être stressé par la présence de la chienne, d'où sa réaction violente. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre est sorti de sa niche pour venir me voir. La queue entre les jambes et les oreilles basses, en signe de soumission. J'ai approché ma main, qui commençait à saigner, pour lui dire bonjour à elle aussi. En réponse, ses babines ont frémi, et elle s'est mise à grogner. Encore plus étrange, elle s'est frottée à mon autre main sans broncher. Je suis parti travailler, pensif. Cela faisait maintenant un moment que ma chienne avait peur du jeune mâle, alors que lui-même semblait de nouveau effrayé devant elle, et ne s'en approchait plus. Je n'essayais plus de comprendre. Un matin, en sortant de chez moi, j'ai senti une odeur nauséabonde venant d'un peu plus loin dans le jardin. Une odeur de charogne. En me rendant sur place, j'ai vu une quantité folle d'animaux morts, éventrés et décapités. L'image des souris m'est revenue en mémoire, mais là, il s'agissait d'oiseaux, d'écureuils et de quelques-unes des poules du voisin. Seulement, à la différence de l'épisode avec les souris, Kalinou n'était pas là, et je me disais que, de toute façon, un chat ne causerait pas un tel carnage. Un renard, peut-être ? Mais je pouvais pas m'empêcher de repenser aux souris, tuées de la même façon. Quoi qu'il en soit, je comprenais pas ce que ces animaux faisaient là, dans mon jardin. Il m'a fallu un moment pour évacuer tous les corps, et alors que j'avais presque fini, Kalinou a fait son apparition, et est venu se frotter contre ma jambe, en ronronnant. Ce signe d'affection m'a rassuré et mes doutes ont disparu. Pas pour longtemps. J'entendis un bruit derrière moi et eus à peine le temps de voir l'écureuil passer entre mes jambes, tout comme je ne vis pas le chaton se jeter dessus. J'ai été comme pétrifié en le voyant lui ouvrir les entrailles sauvagement. Ses poils noirs étaient collés par le sang sombre de l'animal et il poussait des grognements rageurs à chaque fois qu'il arrachait un lambeau de chair qu'il ne mangeait même pas. Sans que je trouve la force de bouger, je l'ai vu arracher la tête de l'animal. Kalinou s'est tourné vers moi. La tête sans vie dans la gueule, puis a disparu au loin. Lorsque j'ai pu de nouveau bouger, je n'en revenais toujours pas. C'était ce chaton adorable et câlin qui avait tué tous ces animaux. Et comme je venais d'en avoir la preuve, c'était par pur plaisir, par pure haine de la vie. Je suis alors rentré chez moi, traumatisé. Un jour, alors que mon inquiétude au sujet du jeune mâle atteignait son apogée, j'ai entendu des chats se battre dans la rue. Il y en avait beaucoup par chez moi, et je n'y prêtais plus attention. Mais je sais pas pourquoi, cette fois-ci, je me suis levé pour aller voir. J'avais à peine ouvert la porte qu'une odeur de charogne m'a de nouveau empli les narines. Réprimant un haut-le-cœur, je suis allé dans la direction des bruits. J'ai cru que j'allais m'évanouir en voyant peureuse, éventrée sur le sol, inerte. Kalinou et Poilu se battaient à côté, mais la femelle était couchée, sur le flanc, couverte de sang. De plus, en m'approchant, j'ai compris que l'odeur ne provenait pas de peureuse, comme je l'avais d'abord cru. Mais de Kalinou. Au même moment, Frimousse, leur mère, est arrivée comme une flèche et s'est jetée sur le mâle. Le temps que je reprenne mes esprits, ils avaient déjà commencé à se battre et le jeune mâle dominait. J'ai tout d'abord mis Poilu à l'écart en prenant soin de ne pas regarder le cadavre de sa sœur. Ça et l'odeur de mort faisaient beaucoup. Ensuite, j'ai voulu séparer Kalinou et sa mère, mais j'avais à peine avancé ma main qu'il s'est jeté dessus, plantant ses griffes et ses dents dans ma chair. Je suis parvenu tant bien que mal à le faire lâcher, mais je peinais à le maîtriser, bien que ce ne soit qu'un chaton. À côté de moi, Frimousse tenait à peine debout. Elle avait une patte ensanglantée et deux plaies béantes, une sur le flanc et une autre en travers du museau. Le chaton continuait à se débattre, sous ma main qu'il maintenait au sol, m'arrachant des lambeaux de chair. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de le frapper à mort, avec ma main valide. Du sang plein les mains, j'ai couru vers Poilu, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Malheureusement, elle avait succombé à ses blessures. Seule Frimousse est encore en vie aujourd'hui, mais elle a définitivement perdu l'usage de sa patte. Et moi, j'ai dû suivre plusieurs séances de rééducation, après l'opération de ma main déchiquetée. Bien évidemment, personne n'a cru à mon histoire, et je dois suivre un psychologue depuis ce triste épisode. Je commence même à penser que je me suis imaginé des choses, et que je deviens fou. Mais le comportement de ce chat n'était pas normal. Je le sais. Cela remonte aux années 90, dans un petit village japonais, à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Aokigahara. En moyenne,
Là-bas, une personne se suicide tous les jours. Et pourtant, ces faits n'ont aucun rapport avec notre histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence dans une petite maison isolée, en périphérie du village. Les habitants du village ne comprenaient pas que Madame Nishimura veuille vivre ici avec ses deux filles. C'était, avait-elle dit, pour se rapprocher plus de la forêt, afin que ses enfants puissent se défouler loin du jardin de la petite maison. Et c'est bien ce qu'elle faisait. Dès qu'elle le pouvait, elle allait courir seule dans les bois, pour jouer à des jeux de petites filles bien connues. Pourtant, lorsqu'elles y allaient s'y amuser trop tard, leur mère les rappelait rapidement à l'ordre, leur disant que c'est la nuit. La brume aura vite fait de les égarer. Une mère vigilante donc, mais peut-être pas assez, ou plutôt pas tout le temps. Ce récit commence vraiment lors d'une soirée d'automne. Il faisait assez froid. Et pourtant, les deux petites, Judy, 9 ans, et Maddy, 7 ans, n'étaient pas plus habillées que ça. Maddy jouait tranquillement avec la corde à sauter, tandis que Judy se balançait sur la balançoire du jardin. Leur mère, pendant ce temps, se démenait pour leur préparer une tarte aux pruneaux, dont l'odeur envahissait peu à peu la pièce. Plus le temps passait, plus les gamines s'amusaient, et elles ne virent pas que la nuit commençait à tomber. En effet, ce soir, c'était la nouvelle lune, donc pas de lumière lunaire pour se guider. La forêt commença à se couvrir d'un voile de brume. Plongées dans leur jeu, à aucun moment les filles ne semblaient remarquer que le brouillard, cette nuit-là, était beaucoup plus épais. Ce fut à ce moment-là que la petite Judy entendit un faible craquement de branches. Elle se tourna vers le son, mais celui-ci provenait de la forêt. Elle hésitait, car elle savait que si elle y allait, elle serait sermonnée par sa mère. Mais la curiosité, si présente chez les enfants, l'emporta finalement, et elle se dirigea vers la nappe de brume. La tarte était presque prête. Il ne restait plus qu'à appeler les fillettes, et elle pourrait passer à table. Elle lança donc son appel par la fenêtre, légèrement entr'ouverte, mais ne reçut aucune réponse. À peine la fenêtre refermée, que les lumières vacillèrent, comme lors d'une baisse de tension. La lampe de la salle à manger alla même jusqu'à griller complètement. Elle alla vérifier les plombs, mais ceux-ci n'avaient pas sauté. Ça devait venir de la ligne, se disait-elle. Elle irait bien sûr voir demain. Elle rappela ses filles, mais là encore, son appel resta sans réponse. Elle décida donc d'enfiler un manteau, et d'aller les chercher elle-même, et de les gronder sévèrement. Elle tomba sur la petite Maddy, qui regardait fixement la forêt. Elle allait s'approcher d'elle, lorsqu'elle s'aperçut que Judy n'était nulle part. Elle s'avança lentement vers sa fille, la retourna, et lui demanda où était sa sœur. Maddy lui répondit alors que Judy était partie avec le grand monsieur. La mère fut parcourue d'un sentiment de peur, et elle demanda à sa fille où ils étaient allés. La gamine leva lentement le doigt vers le bois, et la mère tourna la tête. Elle ne vit d'abord rien, puis, en plisant les yeux, elle put effectivement apercevoir la silhouette d'un homme, ou dans tous les cas, de quelque chose d'humain, très grand, qui s'éloignait dans la brume. La mère ordonna à sa fille de retourner dans la maison, avant de s'élancer pour attraper la créature. Mais lorsque la pauvre femme l'eut atteint, la silhouette s'était fondue dans le brouillard. Elle chercha sa fille aînée, durant de longues heures, sans succès. Le lendemain, la police du village retrouva le corps sans vie de Judy, brûlé et électrocuté, avec un câble électrique dénudé entre les mains.